Salut tout le monde, c'est Darkbo. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la partie 2 de la vidéo d'hier. Donc regardez la vidéo d'hier si vous n'avez pas vu celle-là. C'est le Japon à bulles de partie 2 du coup. On va pouvoir le commencer. Mais avant aussi, pour l'introduction, j'ai dit que jeudi dernier, j'ai dit que ce jeudi-là, j'allais faire une introduction, une nouvelle introduction de vidéo. Eh bien en fait, vu que j'ai plein d'épreuves du bac que j'ai pas toutes prévues, j'ai pas pu la faire, donc voilà, j'ai pas eu le temps de la faire. J'essaie de la faire pour samedi prochain, donc pas ce samedi qui arrive, mais le samedi la semaine d'après, donc c'est le 25 il me semble. Samedi 25 mai, j'essaie de la faire. Et puis voilà, voilà, je vous ai prévenu, donc c'est bon. Et du coup, je vous mettrai aussi sur Twitter. Pour ça, tout simplement. Donc, en tout cas, je vais vous retrouver avec la vidéo. Il n'y a plus le problème de bruit de fond qu'il y avait pour la première partie, vu que là, je m'étais rendu compte, justement. Donc, c'est réglé pour ça. Et puis, je vous laisse avec la vidéo, du coup, avec le thème. Donc, c'est parti. Alors, du coup, cette fois-ci, le thème, quel est-il, sur Gaga 53? Météorite. Voilà, bon bah on va faire une météorite du coup. Alors là franchement, je vais pas dire si j'ai des idées ou pas, mais bon, vous allez voir dans mon record. Retourne dans ton plot et arrête de me faire des trucs chez moi. Voilà. Bon. Donc j'ai appris un truc, c'est que je peux faire des sphères en fait, simplement avec World Edit. Donc on va appliquer ce conseil qu'il m'a donné tout à l'heure en fait. Allez! C'est parti. Attends, hey. Attends le signal du Attends, je vais mettre mon propre moniteur. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, bon alors c'est un peu moins de 15 minutes vu que du coup le temps que je coupe le micro Discord. Donc, cette fois-ci météorite, alors là déjà. En quoi est-ce qu'on peut la faire? Donc moi, Nether, les blocs de Nether. Je vais poser les blocs que je pense. Ouais bah oui, Netherrack en fait. Le sol. Bon, on va se remettre comme ça. Le sol. Le sol. On va le mettre en météorite en Netherrack en fait. Et le sol. On peut le mettre en. Ouh, Netherward block. Ça peut faire un peu apocalyptique. Ouais, je vois le genre. Ça peut faire apocalyptique. Donc on va le placer de là à là-bas. Et ensuite on va mettre de la Netherrack. Hop. Donc c'est quoi qu'il faut mettre? 214. 214. Ah, ça donne un truc. Mais c'est pas encore exactement comme il faut le sol, peut-être. Le sol, on pourrait peut-être alterner avec de lava. Bon, il y a un peu trop de lave. Oh, il y a un peu trop de lave. Donc, je vais mettre. Bon, je peux mettre water, évidemment. Mais à part ça, qu'est-ce que je peux mettre? Netherrack. C'est comme ça, je crois. Non. Ah, écoute, je sais pas. Ça fait moyen, en fait, je trouve. Ok. On va mettre lava et glowstone, peut-être. Non, pas glowstone. Pas glowstone. Ok. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme bloc? 3.2.2. Donc de la dirt modifiée. Ça fait un certain style, mais du coup je mets pas la lave, je pense. La lave, ça fait un élément de déco peut-être en trop. On dirait un paillasson. Putain, on dirait vraiment un paillasson. Pozzol. Non, on a déjà fait pozzol en fait. Granite. Mais non en fait, oui c'est le sol. Donc là en fait, non là on peut mettre des trucs plus du quartz en fait on peut mettre. Ou alors on a briques. Voilà, des briques comme ça.
Non, Brick Monster, voilà, Stone Brick 98. On peut mettre du 98. Et là, on va mettre peut-être du quartz avec. Ouais. On va dire que c'est un damier, ok? On va pas juger non plus. On va dire que c'est un damier et en haut, on va se créer une petite sphère. Donc sphère, c'est le bloc, donc c'est quoi? C'est... Attendez. Il nous faut une sphère en netherrack. Donc 87. Et je vais mettre en spectateur pour pouvoir sortir après. 87. Merde, c'est... Ouais, 87. Deux rayons. Rayon 10. Rayon 10. Ouais. Oui, en fait. Donc là, est-ce qu'on peut mettre du fire avec? On va faire du undo, en fait. Comme ça, on va essayer de voir si on peut mettre du feu avec. Je sais pas si on peut placer le feu carrément. Si on peut en placer, ce serait cool. Fire. Ah! Si! Si! Ouais, si, en vrai, ça le fait. On va pas juger, mais en vrai. En vrai, si, ça le fait. Il faut juste plot day. Il faut voir quelle commande permet de. En fait, de changer le temps du biome, même le plot time. Time. Ouais! Non, c'est pas ça. Ok. On a quelques commandes, help all 2, le 3, non c'est pas ça, 4, chunkload, template, 5, c'est pas ça, ok, il faut essayer de trouver le 6, on n'a toujours pas la commande, 7, bon ça ressemble pas là pour le moment, il y a kick, unlimit, relight, relight, relight. La dernière action 7 blocs est maintenant terminée. Ok, je sais pas ce que c'est. Ok, ensuite 8. On a ok, commente et tout, swap. Commente on plot. Ah, je savais pas qu'il y avait un truc comme ça en plus. Ok, on continue. Et là, on a toujours pas. Tout. Toujours pas. Toujours pas. Et toujours pas. Franchement, je sais pas. On a P-Time. Ok, splash P-Time set night. Ah, P-Time Dark Boss sans doute. Ah, night. Set night. Ah, Dark Bow. Ok, playtime list, day, night, dawn, et le joueur. Ok, et bah écoutez, hop, voilà, je suis seul à voir ça, mais du coup je vais lui mettre la nuit aussi, et du coup ça va pouvoir être cool. Donc là, on a peut-être moyen de se faire, alors une, oui, on 8 minutes, 8 minutes encore. Est-ce qu'on a le temps de se faire une petite maison en bas? J'aurais fait un bâtiment plus grand en fait, mais du coup, vu que c'est une météorite que j'ai vraiment mis très bas, ouais, je peux undo en fait. Comme ça, je la mets plus haute. Ouais, je la mets plus haute, ok. Je la mets vraiment plus haute. Genre, peut-être cette hauteur-là. Et ici. Voilà, et du coup, là, on se la remet. Donc, c'est. Merde, voilà. Il faut la remettre. Sphère, Fire 10, ok. Aïe, merde, il faut que je sorte. Il faut que je sorte de cette boule là. on voit pas la boule. Je vois pas la boule. Ah, voilà, c'est bon. J'ai chargé le chunk, c'est bon, on la voit. Elle est moins bien que tout à l'heure. Non, elle est moins bien. Je la trouve vraiment moins bien, je sais pas pourquoi. Je vais la refaire. Vous savez quoi, voilà. Je la refais.
parce que je la trouve moins bien que tout à l'heure. Celle-là, peut-être. Ok, on va dire que c'est ok. Parfait. Alors là, du coup, on a peut-être une moyen de faire une. On va voir selon la taille de la maison comment on va gérer après. Donc, je mettrai un petit palais, en fait, un quartz. Voilà. Bloc de quartz. On peut se mettre de, par exemple, juste. Voilà, on se met ça pour les repères. Ah, ici peut-être. Comme ça. Peut-être plus grand en fait. Je le mettrai peut-être plus grand. Même plus grand, ouais. On va le mettre jusque ici. Et on va pouvoir mettre du. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est mettre. 7. Je sais. On a des blocs. C'est pas ça, c'est voilà, ceux-là. Ce type de bloc, c'est parfait. Si on prend des blocs de ce. Oh, ce type-là. Ça fait une base spatiale en fait. 243. Est-ce que j'ai mis. Oui, j'ai mis deux coordonnées. 243. Là, on a moyen de se faire une base spatiale. Bon, c'est un peu galère de. Ouais, là, il faut orienter dans le bon sens à chaque fois. Mais bon, sinon en vrai on pourrait très bien le faire. C'est juste que c'est compliqué de faire ça. Ah, si, je sais. On va copier ça. Voilà, on le copie. Copie. Et là, on va le placer juste là. Ça slash past. Voilà, comme ça, on se décale comme ça. Et on le fait tous les deux blocs. Ok. Merde, c'est. Attendez. Non, c'est bon, ok, j'avais pas besoin de changer de l'item demain. Voilà. Ça fera au moins un petit sol. Il me reste 4 minutes après pour faire le mur. Ok. Alors. On arrive bientôt au bord. C'est quand même un peu galère de gérer tout ça. de tout copier comme ça au fur et à mesure. Hop. Voilà, on copie ça encore quelques fois et après il y aura juste à faire dans l'autre longueur. Hop. Je me trompe de touche à chaque fois que j'essaie de copier en plus. Je me trompe tout le temps de touche là. Ok. Alors là, bah du coup là en fait je vais mettre ce que j'ai mis au début. C'est. Ça doit être ça. Quartz block. Un truc du genre de là jusque ici. Parfait. Ok. Donc là voilà, il faut le prendre en compte. Bon, on met voilà, mon quartz. Ok. Ensuite là ça donne un bon truc le sol quand même, mais du coup il faut tout copier. il faut à chaque fois il faut copier en fait. Voilà, on copie, on se met voilà, ici, copie, hop, comme ça on se met là, et on recolle, je fais pareil là, ah c'est un peu plus rapide là, j'ai commencé à gérer la technique, oui, la technique commence à se gérer, le sol commence à être mis. Merde, attendez. Oui, c'est là, ok. Le sol commence à être mis. Et c'est parfait, on est bientôt à la fin. Ok. Merde, attends. What? Ok, ici. Voilà, le sol est bien. Et là, bon, on se remet comme avant. 2 minutes 37 devant nous. Voilà. Ça fait... une certaine gueule. C'est pas non plus hyper ouf, mais ça va quoi. Ensuite là on se met des blocs de mur. Voilà, donc hop, voilà, on monte en l'air. C'est où la météorite? Là, juste là. Bon, on va pas faire ouais cette hauteur, ça va. Faut pas non plus faire trop parce que sinon
Ça va. En fait, ça va trop toucher la météorite. Il faut. Et puis. Enfin, non, en vrai, c'est pas ça. C'est surtout par rapport au diamètre que j'ai mis en bas. Donc là, slash slash walls. Du coup, c'est quartz. Bloc. Ok. À part ça, on peut se mettre un petit chapiteau. Un petit chapiteau. En vrai, le thème c'est météorite, mais je sais pas si ça va. Si ça passe ça. Parce que ça, en fait, c'est pas exactement météorite. C'est une ville attaquée par une météorite. Voilà. Enfin, une ville. Si on peut prendre ça comme ça, quoi. Mais ça ressemble plus à une ville, quoi. Oula, par contre, là, faire des escaliers et tout qui montent, ça, c'est un peu plus galère. Franchement, j'ai pas trop d'idées. Est-ce que j'ai des quartz? On va chercher des escaliers. Ce que ça. Oh! Pur pur. Voilà, le pur pur. Je vais tenter un truc. Je sais pas si ça va fonctionner. Voilà. Là, on met la deuxième position. Et c'est du 203. 203. Plutôt en mur. Merde, ils sont pas dans le bon sens, ok. Ils sont. Ah! Je sais. Qu'est-ce qu'on va copier? Ceux-là, ils sont dans le bon sens. Donc là, si. Oh putain, j'ai pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps, vraiment. J'ai pas beaucoup de temps, j'aurais juste le temps de faire le. Peut-être le haut. Donc, slash slash copy. Slash slash rotate 90. Slash slash past. Je sais pas dans quel sens ça va aller past. Ah! Ok, bon. Putain, je crois que c'est là en plus. Le timer est fini, mais on va gratter 2 minutes. Ah! Voilà, ok. On gratte juste 2 minutes, quoi. Ça a jamais mangé quelqu'un. Voilà, le petit gratteur de 2 minutes. C'est parti. Et voilà. Comme ça, on casse les extrémités. Et dès qu'on aura cassé, ce sera bon. Voilà. Hop, c'est bon. C'est bon, j'ai fini. Allez, hop, je l'appelle, c'est bon. Allô? C'est fini. Oui, j'ai gratté 2 secondes. Ne bouge plus. Tu ne fais plus rien. Moi, j'ai juste un truc à te Je ne mettre fais dès que plus tu rien. visiteras mon plot. J'aurai juste besoin de te mettre un effet. Oh, quel salaud. Mais... Oh, le salaud. Quoi? J'ai rien dit. Putain. T'es sur mon plot là ou pas? Ouais. C'est quoi les rayons là? Ici. Le vert. C'est tu sais le feu. Hein, qu'est-ce que je vais dire à part que franchement ouais c'est bien fait. J'avais même pas pensé à utiliser le bloc que t'as utilisé en bas. Tu vas voir ce que j'ai utilisé moi, sérieux. Ben, en vrai ça va quand même, mais moi je l'avais pas pensé, moi c'était surtout En fait, je me suis un peu le thème j'ai un peu dérivé vers un autre thème en soi. Donc c'est pour ça que c'est pas exactement une météorite, vu que j'avais pas trop d'idées pour comme toi là t'as pu avoir comme juste météorite. Mais du coup ouais pour ton truc pour ta construction, si je le note, je mettrais 8 sur 10. Je mettrais. En fait j'aurais peut-être mis la météorite peut-être un peu plus haut je pense. Je pense. Il me semble, un tout petit peu. Mais un peu plus haut quoi. Surtout que là, en fait, là tu montres que ça a détruit des trucs en bas, mais bah en fait elle est pas encore atterrie. Allez, viens voir Allez. ma construction derrière ce mur qu'on a fait fabriquer made in Je France. passe la porte. Ah ouais, attends, on traverse la porte. Attends 2 secondes, il faut que je te mette ton truc. Regarde pas, ferme les D'accord. yeux. Ferme les yeux. C'est bon. Tu peux regarder. Waouh. On me vole. C'est pas encore attaqué. Je voulais faire. Regarde Dis-moi. l'intérieur. Regarde l'intérieur de la maison. Bâtiment ou de météorite? Du bâtiment. Il y a une porte. Non, il n'y a pas de porte. J'ai pas eu le temps. D'accord.
Non, mais c'est pas complet à l'intérieur, donc tu peux regarder. Voilà. Ah, c'est sympathique le sol. Ouais, j'ai pensé futuriste. Je voulais faire, de base, j'ai fait la météorite. Ensuite, je me suis dit, bon, en plus, pour contextualiser la météorite, qu'est-ce que je peux faire? Et du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une ville qui se fait attaquer. Du coup, Oui. j'ai fait un bâtiment, une ville futuriste, je m'étais dit. Donc, j'ai fait un bâtiment avec le sol futuriste, les murs comme ça en quartz pour faire différent. Et j'allais commencer le toit en escalier en pur cuir. Et j'ai mis le sol en Déjà, c'est déjà quartz mieux que et en pierre pour faire un peu futuriste aussi. Et du coup, j'ai mis la nuit aussi à nous deux en player time. Comme ça, bah, ça fait plus réaliste en fait. Ah oui, t'as fait le feu dans le dans Ouais, l'action. j'ai fait le feu partout, j'ai fait du sphère en fait. Le slash slash sphère. Ouais. Mais je trouve que c'est plutôt réaliste en fait, avec le feu même à Oui, pas mal. l'intérieur. Surtout que tu vois, bah déjà tu vois pas forcément que à l'intérieur il y en a, si tu regardes pas de près. Bon, tu vois du feu voler, mais bon. Mais bon, en vrai, ça fait quand même réaliste, je trouve, vu que ça fait sur tous les côtés. Donc je sais pas, quelle est ta note selon toi? Sur 10. Alors, quelle est ma note selon toi? Selon moi. C'est déjà mieux que l'autre. Déjà. Donc déjà, t'es au-dessus de ça. C'est une météorite. Ouais. Donc t'es au-dessus de 3. Genre, en fait, si vous avez pas vu juste avant l'autre plot, c'est qu'il y avait un problème de record, genre il y avait la voix, deux voix qui se superposaient en même temps sur une piste. Bon, bref, voilà. Et du coup, si vous avez pas vu ça, avant on a fait un pont, donc normalement je peux vous mettre une image à l'écran du pont quand même, à quoi il ressemblait le pont. Et du coup voilà, du coup on avait fait un pont. Lui il avait fait un pont plutôt cool, mais il avait pas trop géré son temps non plus. Moi j'avais fait un pont, un pont en fait, je voulais relier deux îles entre elles et faire un pont. J'ai un peu foiré et à la fin j'ai même supprimé les îles carrément parce que je les avais foirées. Et il m'a appris, du coup c'est à ce moment-là qu'il m'a appris à faire le truc des sphères comme ça. Donc je m'en suis servi, j'ai fait une sphère météorite. Voilà, tout à l'heure, dans ce build. Et du coup, la dernière fois, il avait dit pour le 3 sur 10, c'est parce que... Attends, c'était pourquoi le 3? C'était un pont. Ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'on arrive à reconnaître ce que c'est, voilà. Ouais. C'est ça, en fait. Donc là, 3 sur 10 minimum. Et sinon, quelle est ta note? De loin, ça fait bien. Ça fait Du bien coup, de je vais te loin, mettre du coup. 7. 7? Ouais. Ah... On est monté parce qu'il m'a mis 4,5, 4,5 à l'autre. Il m'a mis 4,5. Et moi je lui ai mis 6 par rapport à son truc. Là je lui ai mis 8 du coup. On est monté tous les deux, c'est bien. Bon bah voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. À me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo aussi. Parce que les likes, c'est pas tout. Parce que les likes, ça dit pas forcément exactement votre avis en soi. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour donner votre avis. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Tu t'es fait un trône ou quoi? Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, casse-toi d'ici. Merci. Tchuss! Bon, vas-y, vas-y, reviens, reviens. Reviens, on dit l'autre chose ensemble. Donc voilà, donc c'était l'outro avec Gaga53, donc on l'a refait ensemble parce que je vais pas le virer non plus de son trône. Parce que en fait c'est un trône à deux. C'était une vidéo à deux. Donc voilà, donc c'était Darkbo avec Gaga53. Tchuss! Tchuss.